Salut à tous, bienvenue à la Tève. Bon, mais aujourd'hui je vous amène sur un petit chantier pour des cabinets vétérinaires. Voilà, j'ai trois sites, il y a deux cabinets vétérinaires et une usine de production d'aliments pour les animaux. Donc voilà, c'est des petits espaces verts, c'est sympa. Je vous fais faire le tour, vite fait. Bon voilà, là on a déballé le matos. Et voilà, je vous montre un peu le boulot qu'il y a à faire. Il y aura trois sites aujourd'hui. Et voilà, histoire que vous voyez un peu les petits boulots qu'on peut trouver en entreprise, quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, ici, on a le bord de route. Il y a pas mal de trèfle. Ce trèfle, il m'ennuie en ce moment, c'est une galère. Et du coup, voilà, là on va faire le bas avec la tondeuse. Un peu en bas, un peu en haut, même si ça a été fait il n'y a pas très longtemps par la ville de France. Et le talus rotofine. Donc avec les voitures, c'est pas toujours cool. 3 secondes, attendez. Allez, zou, c'est reparti. Réglage de. Un petit réglage de hauteur de coupe d'herbe. Voilà, donc. Allez, zou, c'est vite fait. Ici, bon, il y a vite fait trois pissenlits qui poussent le long des bordures. Mais j'aime bien que ça soit vite. Il y a du rotofil. Ici devant, il n'y a pas grand chose. Voilà, le tour des arbres. Un peu le long, là, il y a toujours. Des pissenlits, des trucs comme ça qui poussent le long des murets. Là, il y a un petit coin. Aussi, gravier, là-bas, on voit un peu. Avec des pissenlits, il faut passer au-dessus. Il y a des vitres de partout, en plus. Après, voilà, c'est plutôt derrière. Il y a un peu de taf. Donc, il y a surtout ce grand talus. Voilà. Un bon long talus à faire. Là, c'est... Je sais pas, au rabbit. J'ai pas essayé avec le rabbit la dernière fois. Mais bon, après. Et voilà, toute cette partie plate. Et c'est tout bosselé, il y a des regards. Il y a des cailloux qui traînent un peu partout. Donc ça aussi, le dernier coup, j'ai fait au rabbit. Moi, je suis descendu jusqu'à quand même 6 cm. Donc il n'y avait pas non plus trop grand chose, ça va. Mais j'aimerais bien le faire au ferris plus tard, quoi. Du coup, voilà, le talus. Il continue. Bon. Enfin voilà quoi. Bon. Petit boulot. Là normalement ça doit durer 2 heures, 2h30. Donc allez, on s'active. Thank you.
Bon, il faut faire vachement gaffe avec ces bagnoles. Poser ça pour le salut. Thank you.
Allez, bon, mais ça a été fastidieux, hein. Voilà, bon. En plus, le voisin m'a pris la tronche tout à l'heure. Donc tout va bien. Donc voilà. Voilà, t'as lui, il est nickel. Le monsieur, il sera content. Et on a la preuve que le chemin est propre. Hein. Bon, allez, zou. Allez, ça c'est coupé. Le petit talus, nickel. On a fait le tour des arbres. Le talus soufflé, tout ça, vous le voyez. Et on part sur un autre site. Allez, à plus. Ciao. Bon voilà, ça y est, on est sur le deuxième site là, c'est l'usine de production d'aliments, d'aliments pour voilà, pour chiens, pour animaux, tout ça. Du coup voilà, on a pas mal commencé déjà, j'avoue que j'avais un peu zappé la caméra, donc bon, on a bien avancé le chantier. Je vous fais faire le tour vite fait, après voilà quoi, on a pas mal de rotofil encore à faire, donc voilà quoi. Vous voyez ici, il y a de l'herbe. J'ai l'ail à faire aussi, une fois par an, septembre. Donc voilà, je vous fais faire le tour vite fait. Bon voilà, ici on passe avec le ferris. On prend les décales en bois qu'on met au pied du trottoir. Tchoup, on monte et on arrive à aller à peu près partout là. C'est bien. Ah, c'est chouette, content. Voilà. Je vais me mettre à faire des rayures un peu, je sens là. Ça commence à m'intéresser ce truc là. Et voilà, ça passe aussi le temps quoi. Pour de tourner de l'herbe, on essaye de faire des nouveaux trucs quoi. Donc voilà quoi, ici on est pris derrière la haie. Après celle-là, il y a un bon petit morceau quand même. Elle est assez haute. Elle a pas l'air trop large. Et bien voilà, du coup là on a rotofil sur les bordures au pied de la haie. Un peu partout. Bon, donc voilà, et après il nous reste un petit dernier cabinet vétérinaire à 10-15 bornes d'ici, et après on remonte à la maison. Donc voilà, et la petite Wolf aussi, là, je m'éclate, là voilà, il est passé derrière et le ferris là, hein, pile poil. Après ici, voilà, la petite Wolf qui est légère, ce qui est, voilà, trop bien, là-haut, là, on voit. Il y a une bande ici, il y a une bande en haut. Et là-bas, il y a un triangle d'herbe qui serait un peu long à faire à la débrouille quand même. Et voilà, petite Wolf, je me la traîne mal jusque là-bas. Ça fait bien le job. Bon, voilà. Après, de toute façon, pour faire la débrouille, je dois passer le long du grillage là-bas. Donc je vais embarquer la caméra, je pense. Voilà, voilà. Après, il ne nous reste plus qu'une batterie. Donc faut pas que je déconne pour arriver à faire le troisième site aussi. Hop là. Non, bon, c'est sympa, il n'y a pas grand chose quoi, c'est pas méchant. Pour ça, c'est con de se priver de petits chantiers comme ça aussi. Bah, faut qu'on passe à la débrouille. Il passe avec le ferris aussi là. Et puis voilà, ici. Ici, il y a un peu d'herbe. Donc voilà, là c'était bien haut, c'était bien épais, on le voit un peu. On voit un peu là. Du coup, toujours du trèfle quoi, il y a plein de trèfles en ce moment. Du coup, après avec le souffleur, on va aller disperser un peu tous les paquets d'herbe, que ça donne un rendu joli quoi. Bon, on va aller voir où. Bon, mais c'est comme ça, hein. Petit chantier, en ville. Bon. Ah, il y a un collègue à côté avec un gros taureau, avec un panier hydraulique et tout, une coupe frontale, ça a l'air d'être monstrueux son truc. Enfin bon voilà, on n'est pas tous équipés pareil. Mais je me prends le débrouille, je monte la caméra et on attaque. Allez, à plus. Hop, ça coule un peu, quand on déconne.
Ah, elle était jolie cette crêpe, hein. Je vais pas venir celle-là. Bon, allez. Bon, sur ce, voilà le jeu, le but du jeu. On va finir toutes les bordures rotophile. Je vais aller vers là-bas au fond, le long du talus là-haut. Voilà. Après, c'est souffleur un peu partout. Je vous montre ça quand c'est fini et voilà. Comme ça, j'aurai de quoi. J'aurai assez de batterie pour filmer le troisième chantier. Allez, à plus. Allez, re-salut, ça y est, on est sur le troisième site. Bon, c'est un petit cabinet vétérinaire. Donc voilà, c'est dans une zone artisanale, quoi, on voit. Donc voilà, c'est ici. Là, on fait le long des grillages. Il y a le carré d'air derrière. Bon, il y aura un peu de taille là. Et voilà. Là, j'ai commencé à tondre. Voilà, on voit ici,
Donc voilà. Voilà, pareil, petit chantier tranquille. Donc voilà. Mais écoutez, je vais me caler. Je vais aller me caler par là-bas. Le long du grillage, j'espère que personne va me fourrer la caméra. Non.
Bon, les gars, ça y est, c'est fini la journée. Voilà, je vous montre un peu le petit chantier. Donc voilà, on a tendu, on a fait tout bien, tout joli. Donc voilà. Oh, c'est tranquillou, Bilou. Ah, je vois quatre tiges là qui se dépassent. Hey. Là. Non, bah, mais c'est chouette, ça fait propre. Ah, c'est dommage, il y avait une semaine de trop, quoi. C'est vrai que de moi-même, je serais passé une semaine plus tôt. Après, la cliente m'a demandé 6 passages par an. 6, ça fait pas des masses, des masses. Bon, surtout quand on veut un truc un peu tout le temps joli, quoi. Donc là, je pense que de toute façon, je repasserai dans maximum, maxi, maxi, 3 semaines. Donc voilà, on voit un peu. J'ai croisé là en diagonale, c'est de faire des petits motifs un peu sympa. Voilà, et puis si je continue comme ça, ça va se voir de plus en plus. Allez, sur ce les gars, et bien si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, c'est pour un petit jardinier, et puis voilà, je vous dis à une prochaine pour un prochain chantier. Ciao.